Et du coup, comme on était toutes les deux, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête. Qu'elle laisse tomber, que ça servait à rien. Elle avait l'air d'accord, parce qu'au final... Tu m'écoutes pas. Eh oh! Ben, je te parle et tu m'écoutes même pas. C'est pas sympa. Dis-le si tu t'en fous et j'arrête. Parce que parler dans le vide, c'est pas ouf. C'est qui? Ben, c'est qui le message que t'as reçu? Non, on dit pas personne. C'est le pire truc à dire, personne. Quand un message arrive, il y a forcément quelqu'un qui l'a envoyé. Ben, du coup, c'est qui? Mais pourquoi il y a une pote à lui qui t'écrit? Elle organise son annif, donc elle t'écrit. Il y a zéro logique. Oh, faudra apporter des trucs. Mais c'est qui cette fille? Non, mais ok. J'ai compris que c'était sa pote, mais on la connaît. Et surtout, comment elle a eu ton numéro? Ah oui, je me souviens d'elle. Très bien même. Ben, elle t'a collé toute la soirée, donc je me souviens bien, oui. Si, j'étais là, hein. J'ai vu. Montre ce qu'elle t'écrit. Qu'est-ce que tu fais? Montre. Mais pourquoi non? T'as un truc à cacher? Ben alors je peux voir ton téléphone s'il y a rien. Non, je suis pas jalouse, mais franchement, ça va pas tarder si tu me caches vos messages. Y a pas à être jalouse. Déjà, la fille passe la soirée à baver sur toi. Toujours plus. Oui, bien sûr. Si toi, tu t'en es pas rendu compte, moi, oui. Elle t'a même apporté un verre à un moment, alors s'il te plaît. Moi, je l'attends toujours, mon verre. Hein. Il n'y en avait qu'un seul pour toi. Donc, la soirée. Ensuite, elle t'écrit. Je savais même pas qu'elle avait ton numéro. Et là, elle m'interrompt alors que je te raconte un truc. Et t'es plus concentré sur son message que sur ce que je te dis. Et maintenant, j'ai même pas le droit de voir ce qu'elle t'envoie. Donc, si tu permets, je vais juste commencer à être un tout petit peu jalouse. Merci. Pourquoi tu veux pas me montrer vos messages? Eh ben, justement. Si c'est juste pour la soirée, tu peux me les montrer. En plus, ça me concerne. Je suis invitée aussi, non? Bon, bah voilà, alors montre-moi. Mais franchement, toi ça te coûte rien et moi ça me rassure. Je vois vraiment pas pourquoi tu veux pas. À part pour m'embêter et me faire imaginer des trucs. Ben des trucs. Je vais pas te faire un dessin. Eh ben, qu'elle te drague ou je sais pas. Ça se trouve, elle t'envoie des nudes tranquillement et moi je passe pour une débile. Je passe pour une débile parce que je suis pas au courant et donc je dis rien. Oui, ben j'imagine peut-être, mais tu veux pas me montrer donc forcément. Bien sûr que si, je te fais confiance. Par contre, elle, je lui fais zéro confiance. Oui, mais je veux quand même savoir ce qu'elle t'envoie. Non, mais en fait, c'est de pire en pire. Vu que tu veux pas me montrer les messages, j'ai encore plus envie de les voir. Franchement, c'est ridicule. Ça te change rien de me les montrer. Mais je t'ai dit que je te faisais confiance, ça n'a rien à voir. Mais non, je te dis, c'est pas toi, c'est elle. Eh ben, si ces messages sont pas corrects, je vais la trouver et lui expliquer qu'on se comporte pas comme ça avec mon copain. Oui, je parle comme une vieille quand je suis énervée. Arrête de te moquer. Arrête, sinon je... Donne.
Non. Mais... Ok. T'es peut-être plus fort que moi, mais faudra bien que tu dormes. Si je connais ton code. Ben si, si je te le dis. Non, tu me l'as jamais dit, mais pas besoin, vu comme t'es discret quand tu le fais. Je t'espionne pas. T'es pas discret, c'est tout. Non, je te le dis pas. Je fais comme toi. Je laisse planer le doute vu que t'as l'air d'aimer ça. Pourquoi tu veux changer le code? Non, mais en fait, tu veux vraiment pas que je voie les messages. Franchement, c'est ultra suspect cette histoire. J'aime pas du tout. Et puis, pour ton portable, même pas besoin de code quand j'ai accès à tes doigts. Quoi? Mais tu vas dormir, donc il suffira que je mette ton doigt sur le téléphone. Ou même avec la reconnaissance faciale, ça passera s'il y a assez de lumière. Si j'ai pas le droit d'aller fouiller dans ton portable, toi, t'as pas le droit de me cacher les messages d'une fille qui clairement t'aime bien. Parce que faut que je te fasse confiance, mais si tu me caches des trucs de genre, comment tu veux que la confiance s'abîme pas? Moi, je te dis tout. Je fais pas des cachotteries comme ça à cacher des messages de garçon. Tu lui réponds pas, elle va s'inquiéter, la pauvre. Oh, tu peux lui envoyer une photo de moi, qu'elle comprenne qu'elle a aucune chance. Tu veux que je pose? Ça va comme ça? Oh, vraiment désolée. Je voulais faire le signe de la paix, mais j'ai oublié l'index. Tu lui diras que j'ai confondu et que je m'excuse. Ou alors une photo de nous, c'est encore mieux. En train de nous embrasser. C'est sûr que ça va lui faire plaisir. Vraiment, t'as pris la photo? Je suis pas mauvaise. C'est elle qui se croit tout permis et qui a des vues sur un mec déjà en couple. Et en plus, pourquoi tu la défends? Ben si, tu la défends carrément. Déjà, tu lui parles. Et ensuite, tu dis que c'est moi la mauvaise. Va la retrouver, mariez-vous et faites des enfants, hein. Te dérange pas pour moi, surtout. Non, mais arrête de te voiler la face. Ou de me mentir, je sais pas. Évidemment qu'elle a des vues sur toi. De toute façon, tu vois jamais quand une fille est intéressée par toi. Alors, t'es pas le mieux placé pour dire si elle a des vues sur toi ou non. Non, non, tu remarques jamais ce genre de choses. La preuve, t'avais pas remarqué que je t'aimais bien. Heureusement que j'ai fait le premier pas parce qu'on y serait encore. Si, c'est vrai. 100% vrai. Quoi? Non, mais tu refais l'histoire à ta sauce, c'est incroyable. Mais de toute façon, c'est pas le sujet. Tu lui plais, elle veut ton corps, et ça va pas bien se passer la prochaine fois qu'on la verra. Ben, je vais lui expliquer que ça se fait pas de loucher sur quelqu'un qui est en couple. Non, mais peut-être que personne lui a jamais dit et que du coup elle est pas au courant. Mais ça va aller, elle va comprendre. Bah alors montre-moi les messages et je verrai s'il n'y a pas besoin de lui expliquer. Non mais ok, là ça suffit. Tu donnes. Non, c'est à moi maintenant. Laisse-moi. Elle t'a envoyé combien de messages? Mais c'est une blague? Mais elle te parle depuis quand? Une semaine? Une semaine et elle t'a envoyé tout ça?
Mais elle a rien d'autre à faire, c'est pas possible. Ah bah quand même, merci de le reconnaître. Tu lui réponds pas à chaque fois. Bah rien, c'est un bon point pour toi, c'est tout. À moi, tu me réponds toujours. Mais je me compare pas à elle. Mais voilà. Ben voilà, ça me rassure de voir que j'ai des privilèges. Oui, je sais que je suis ta copine et que je serai toujours privilégiée, mais... Ben, je sais pas, j'ai peur que tu t'en ailles avec une fille mieux que moi. Si, si, il y a bien mieux que moi, je le sais. Mais pas elle. Elle, elle est juste sans gêne de te draguer devant moi, clairement en manque d'attention et hyper collante. Non, mais regarde le nombre de messages. C'est n'importe quoi. Rien. Mais non, je fais rien. Mais non, mais juste, je lui ai répondu vu que tu le fais pas. Je lui dis juste qu'elle est assez grande pour organiser la nif toute seule et qu'elle n'a pas besoin de te demander ton avis par rapport à tout et n'importe quoi. Ça va, c'est un message positif. Faut qu'elle ait plus confiance en elle. Et qu'elle te laisse tranquille surtout. C'est pas normal d'attendre autant après l'avis de quelqu'un qu'on connaît pas comme ça. Surtout quand ce quelqu'un, c'est mon copain. Mais non, elle va pas mal le prendre. Bon, peut-être qu'on va perdre nos invites pour la nif de ton pote. Mais c'est pas si grave. Ok, je lui envoie pas. Mais toi, fais quelque chose alors. Ben, tu lui dis que ça suffit. Non, mais il n'y a pas à être poli avec quelqu'un qui te cherche autant, franchement. Il y a juste besoin de lui dire stop. Et ben, tu lui dis que t'as juste pas le temps de répondre à tous ces messages. Que t'as une vie à vivre et que tu dois t'occuper de ta copine. Je te rends ton portable si tu me dis que tu vas t'en occuper. Qu'elle arrête de te harceler et de me couper pendant que je te raconte des trucs. Très important en plus. De toute façon, si tu le fais pas, je le ferai. Je me suis envoyé son numéro. Ben oui, j'allais pas juste regarder sans rien faire non plus. Comment ça, je suis trop jalouse? Ok, il y a une fille qui t'écrit H24, mais c'est moi qui suis trop quelque chose. C'est n'importe quoi. D'accord, ben j'espère que quand tu te rendras compte que je discute autant avec un gars, tu le prendras bien. Ben peut-être que si. Mais non, c'est rien, t'inquiète. Il m'écrit juste pour me demander mon avis sur comment il doit s'habiller ou ce que je préfère manger et boire. Oh, tiens, c'est lui. Bien sûr que c'est pas un gars. Mais t'es jaloux. Faut pas être jaloux juste pour ça, hein. Mais tu vois, ça serait pas agréable que je discute avec un mec. Alors t'arrêtes. T'arrêtes de parler avec cette fille, s'il te plaît. Ben, tu lui diras que t'as zappé de lui répondre ou que tu savais pas quoi lui répondre. On s'en fout en vrai. Merci. Oui, je sais. Je fais pas exprès d'être jalouse. Et puis, je suis pas jalouse pour rien non plus. Elle t'écrit toute la journée, depuis plusieurs jours. Oui, ben, j'aime pas ça.
refais pas, s'il te plaît. T'as qu'à m'écrire à moi si tu veux écrire à quelqu'un. Oui, ben ça va pas me déranger que tu m'écrives encore plus. Oh, faut peut-être que je te demande des conseils mode pour que tu m'écrives plus. Ah, j'ai vu le message. Tu penses qu'un dress code ça serait bien? Gna, gna, gna. Mais je peux t'envoyer des photos de mes tenues s'il y a que ça. Ouais, je peux faire ça aussi. Même quand t'es au travail? Peut-être même que je pourrais venir te voir au travail un jour. Mais sinon là, tout de suite, tu veux que je t'envoie une photo ou tu veux voir ça en vrai?